5 boissons détox pour aider votre organisme à mieux éliminer les toxines. Alors, c'est le début de l'année, vous avez peut-être besoin en ce moment d'une petite détox. Vous manquez de vitalité, vous sentez que la digestion est difficile, vous avez peut-être pris quelques petits kilos pendant les fêtes. Eh bien, c'est peut-être le moment de faire une détox, en tout cas de donner un petit coup de pouce à votre organisme pour mieux éliminer. Et donc, pour cela, je vous propose 5 boissons. Donc, qui vont aider votre corps à mieux éliminer. Alors, petit rappel quand même, qu'est-ce que c'est la détox, hein ? La détox, c'est tout simplement un processus donc, qui permet à votre corps d'éliminer les toxines accumulées. Nous avons plusieurs organes qui sont concernés par la détox, notamment le foie, les reins, le système urinaire, hein, les reins, et puis également au niveau des poumons et au niveau de la peau. Alors la peau et les poumons, c'est plus par l'activité physique que vous allez pouvoir donc accélérer l'élimination des toxines. En revanche, tout ce qui est foie, reins et intestin, eh bien effectivement, c'est au niveau de l'alimentation que ça se passe. Alors, comment est-ce que les boissons vont pouvoir aider votre corps à éliminer davantage ? Donc déjà, vous savez que pendant une détox, il faut beaucoup boire parce que l'eau, certes, ça ne fait pas perdre du poids, mais ça permet de favoriser l'élimination des toxines. Notre corps a besoin de bien être hydraté et de beaucoup être hydraté pour favoriser l'élimination des toxines. Mais certaines boissons sont encore plus détox parce qu'elles sont riches en composés antioxydants ou elles apportent certains éléments qui vont favoriser le travail du foie ou le travail de l'intestin ou le travail des reins ou peut-être les trois. Donc, quelles sont ces boissons détox que je vous propose? Eh bien, tout d'abord, nous avons les boissons au citron et au gingembre. Alors, ça, c'est hyper simple à faire. Tout simplement, vous prenez une casserole avec de l'eau, vous remplissez, enfin, vous mettez peut-être un demi-litre d'eau et vous allez ajouter dans votre casserole d'eau un demi-citron bio, donc coupé en morceaux entiers, hein, ne l'épluchez pas, et également un petit morceau de gingembre que vous allez éplucher, que vous allez couper en petits morceaux. Vous faites chauffer ça, vous laissez infuser et ensuite vous filtrez et vous avez votre boisson donc citron gingembre qui est prête. Et donc le citron et le gingembre, hein, ça a vraiment une action au niveau du foie, c'est-à-dire que ça va aider le foie donc dans sa fonction dépurative, hein, éliminer les toxines. Et puis il y a également donc des minéraux qui vont aider donc le rein à éliminer, donc effet diurétique, et également au niveau des intestins. Donc ça, c'est parfait. Donc pensez à la boisson citron gingembre. Je vous invite à aller voir sur mon blog passionnutrition.com, vous avez la recette en entier et je vais vous mettre le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Alors, une autre boisson détox à tester, c'est le thé matcha. Pourquoi est-ce que le thé matcha est particulièrement détox par rapport aux autres thés? Donc, vous savez déjà que le thé vert est riche en antioxydants et les antioxydants donc favorisent l'élimination donc par la détox. Le thé matcha, il est beaucoup plus riche en composés antioxydants, tout simplement parce qu'il se consomme en entier. Les autres thés verts, on fait qu'une infusion, c'est-à-dire qu'on laisse tremper le thé dans de l'eau et puis on ne consomme pas le thé. Le thé matcha se consomme intégralement, donc est beaucoup plus riche en composés antioxydants qui active le processus de détox. Donc pensez au thé matcha qui peut vraiment vous donner un coup de pouce pendant votre détox. Une autre boisson intéressante pour votre détox, c'est tout ce qui est jus vert. Alors qu'est-ce que c'est les jus verts? C'est tout simplement des jus réalisés à partir d'un extracteur de jus et qui sont majoritairement donc réalisés à partir de légumes verts, c'est-à-dire avec des épinards, avec du céleri, du fenouil ou ce genre de légumes-là. Donc bien
bien sûr, on peut ajouter d'autres légumes, hein, de la carotte, de la betterave ou d'autres légumes sans aucun problème, mais vous aurez de toute façon au final quand même une boisson qui est verte, qui a une couleur verte. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ces jus verts? Eh bien, on récupère tous les composés antioxydants, tous les minéraux, les oligo-éléments, donc la substance nutritive hein, des légumes qui n'ont pas été cuits, donc qui sont préservés. Donc choisissez des légumes bio s'il vous plaît pour réaliser vos jus verts. Et puis on a enlevé les fibres. Alors en principe j'aurais dit c'est un inconvénient parce que quand on enlève les fibres, eh bien c'est un petit peu embêtant parce que les fibres elles ont des actions très intéressantes, notamment au niveau de l'intestin. Mais pour la détox, là on cherche à mettre l'intestin au repos. Donc le fait de consommer des jus verts, eh bien ça va juste apporter la minéralisation nécessaire, tout simplement, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les composés oligo-éléments, et tout ça, ça va permettre d'activer en plus le système digestif, le foie, les reins et l'intestin, et de favoriser la détox. Donc pensez aux jus verts, c'est particulièrement intéressant dans le cadre d'une détox. Une autre boisson, enfin en tout cas deux boissons très intéressantes pour la détox, c'est tout ce qui est boissons fermentées, kéfir de fruits et kombucha. Alors, si vous n'avez jamais testé le kéfir de fruits, je vous invite là encore à aller voir sur mon blog Passion Nutrition. Je vous mets le lien, encore une fois, vers une recette, ma recette de kéfir de fruits que vous pouvez faire vous-même très facilement à la maison. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour la détox, ce kéfir de fruits? Eh bien, tout simplement parce que c'est fermenté. Donc, les boissons fermentées, ça va aider donc votre intestin à être plus actif, à le renforcer, renforcer votre microbiote. Donc c'est des probiotiques, tout simplement. Hein, donc les boissons fermentées, c'est vraiment super intéressant pour le phénomène de détox. Donc pensez à consommer du kéfir, ça va permettre vraiment d'activer ce processus d'élimination naturelle. La dernière boisson que je vous invite à tester pour votre détox, c'est la sève de bouleau. La sève de bouleau, donc c'est une eau, tout simplement, hein, de l'eau, qui va être récoltée donc sur l'arbre, le bouleau, et que vous pouvez trouver en magasin bio. Cette sève de bouleau, elle est particulièrement reminéralisante et vitalisante, donc vraiment intéressant dans le cadre d'une détox. Ça va activer également donc le foie, les reins et l'intestin, donc les trois organes de l'élimination, en tout cas au niveau alimentaire, on va dire. Et puis, ça se consomme sous forme de cure, hein, donc 3 semaines de sève de bouleau, et ça se consomme à jeun plutôt, donc un verre de sève de bouleau à jeun. La quantité, c'est entre 120 millilitres et 150, ça peut être davantage, ça peut être consommé pur ou dilué, ça dépend de la concentration, donc regardez tout simplement les indications qui sont notées sur la bouteille, donc en magasin bio, la sève de bouleau, très intéressante pour l'action détox, ça se consomme plus au printemps, la sève de bouleau, pourquoi? Parce que ça se récolte tout simplement au printemps, donc si vous la trouvez à l'automne, eh bien c'est une sève qui a été récoltée peut-être il y a quelques mois. Donc pensez à la sève de bouleau, attention, c'est déconseillé pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, et puis en cas d'allergie, bien sûr, et en cas de traitement lourd, posez la question, bien évidemment, à votre médecin. Alors, si vous voulez aller plus loin et que vous voulez avoir des menus détox et IGBA, parce que ça, c'est ma spécialité, je vous propose des menus IGBA, mais là, je vous propose 5 jours de menus détox et IGBA, eh bien, je vous propose donc de cliquer juste en dessous dans la description de cette vidéo, je vous mets le lien pour obtenir gratuitement ces 5 jours de menu détox avec la liste de courses qui va avec et avec les recettes qui sont présentes dans ces menus, c'est offert, donc allez-y, téléchargez-les et dites-moi en commentaire si vous avez eu des bénéfices grâce à cette détox. Est-ce que vous sentez plus léger? Est-ce que vous digérez mieux? Est-ce que vous sentez que vous avez davantage de vitalité, etc. Voilà pour donc ces 5 boissons détox. Donc pensez à les tester, à les récupérer les recettes sur mon blog surtout. Et puis, ben, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et bien-être.